Salut, salut les amis, c'est Food for Fun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les amis, c'est abusé, franchement c'est abusé. Le défi TOTS Serie A de ce soir, il est impossible à faire sans joueur, sans joueur avec la fidélité. C'est horrible, franchement c'est horrible, j'ai galéré comme un dingue. Donc les amis, je vais vous montrer plusieurs solutions. C'est à vous de voir laquelle est la mieux pour vous. Il faut à tout prix un joueur avec le bonus de fidélité. C'est obligatoire. Voilà. Moi j'en ai deux. Donc forcément ça aide. Mais voilà, je vais vous montrer tout ça. Ça sera plus simple. Donc les amis, pour ce défi là, il fallait un joueur italien, une note générale, 5 nationalités minimum, 2 joueurs de même championnat maximum et 1 joueur du même club maximum. Donc en gros, 2 joueurs de même championnat, mais pas du même club. Une note générale à 80, ça limite, franchement, c'est le plus simple. Et un collectif à 85. Donc les amis, alors, je vais vous montrer plusieurs trucs. Vous pouvez le faire. Alors, attendez, hein. Parce que j'en ai fait plein, mais au final, je n'avais pas la... Je n'avais pas les joueurs. Donc forcément, vu qu'il me faut un joueur avec la fidélité, ça ne fonctionnait pas. Hop. Hop. Ici, c'était un MC. Je vous explique tout ça. Je mets les joueurs et je vous explique tout ça. Ne vous inquiétez pas. On va aller aux Pays-Bas. En gros, et après, je vous explique le principe. Ça fonctionne avec pas mal de pays, même s'il faut garder une base malgré tout à peu près bonne. Donc on va dire lui c'est bon. Voilà, on va aller chercher Capoué. Je l'ai acheté en plus, je crois. Voilà, on peut faire ça avec Zaza. Je vous donne juste des aides si vous avez ce joueur dans votre club. Ça change tout. Si vous n'avez pas de joueur de fidélité, il n'est pas possible le défi. Donc il va falloir faire 10 matchs. Et franchement, on est d'accord que c'est moyen. Voilà. Je vous le dis, c'est carrément moyen. Donc, je vous explique. Hop et hop. Donc voilà. Donc moi, ça, c'est l'équipe que je vous propose. Il va falloir faire, quoi qu'il arrive, un changement de poste ici. Le DLD, DD, vous êtes obligé. Celui-là, vous n'avez pas le choix. DLD, DD, normalement, ça coûte 200. Il faut juste tomber sur le bon, hein, bien entendu. Ça va aller, on va aller un peu plus loin peut-être. Mais c'est à 200. Bon, allez, ma 300, je le prends. J'ai pas envie que la vidéo dure 3 heures. Hop. Voilà. Ok. Je ne veux pas. Hop, DLD, DD. Et moi, je suis bon, là. Je suis bon, vous voyez, moi, ça fonctionne. Mais regardez, j'ai un joueur avec la fidélité, deux joueurs avec la fidélité. Donc forcément, c'est bon, vous voyez. Mais vous, si vous en avez qu'un, vous serez à 84. Il va falloir faire le changement de poste du MD à D. C'est tout, c'est vraiment tout. Maintenant, si vous ne voulez pas, il y a plusieurs solutions. Regardez, vous pouvez faire comme ça. Comme ça. Comme ça. Ou pas, hein, c'est pareil. Hop. Et comme ça. Vous voyez? Là, je suis à 84, mais j'ai pas de joueur avec la fidélité. Donc, quoi qu'il arrive, vous devez faire le changement de poste DLDD de Mario Fernandez. Et il faut qu'un autre joueur, un de ces 11 joueurs-là, ait le bonus de fidélité. C'est pour ça, il y a lui, franchement, il y a qui d'autre en MDC, en or. Hop, on va y arriver. Français. Donc, vous voyez, France, on a déjà fait. Grèce, lui, par exemple, vous pouvez le mettre. Si vous l'avez, vous le mettez. Allemagne, on a déjà pris. Angleterre, ben, on a mis Mendy, je vous l'ai montré. En Espagne, il y a Capoué, il y a Gonalon. Il y en a plein, hein, vraiment. C'est là où je veux en venir. En gros, il vous faut un joueur paquet. Et le MDC doit être français
et pas dans un championnat qu'on a déjà mis. Sinon, vous n'aurez pas. Sinon, c'est pas bon. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, ben voilà. C'est à vous de voir, les amis. Quoi qu'il arrive, ça coûte, on va dire, entre 17 et 18 000 crédits. Moi, je vais vous montrer. Donc, franchement, moi, je vous montre cette équipe-là parce qu'il y a juste un changement de poste. Voilà. Si vous mettez la même que moi, il faut passer Politano en AD. C'est tout. Franchement, j'ai cherché, j'ai tout retourné. Je n'arrive pas à faire le SBC sans bonus fidélité. C'est impossible. Le seul truc, c'est mettre une icône, mais il n'y a aucun intérêt à mettre 100 000 dans une icône. Quoi. Voilà, on est d'accord, c'est un électrum rare, non vendable. Donc voilà, les amis, moi je vous le montre comme ça. Je mets mes joueurs après. Et voilà, tout simplement. Donc c'est parti les amis, on commence avec Mike Maignan, Mario Fernandez, Samuel Gigot, Damien Da Silva, Marcel Alstenberg, Etienne Capoué, Adam Maher, Kerem Demirbe, Steven Bergwijs, Simone Zaza, et on termine avec Stéphane El Shaarawy. Donc pourquoi les amis, il faut faire le changement de poste si vous faites ma solution à moi, parce que ben, ça passe pas, vous voyez, c'est un ND, c'est pas un AD, et des AD italiens, ça n'existe pas à part Diamanti, mais ils jouent pas dans le même championnat, donc ça compte pas, tout simplement. Tout simplement, là vous voyez, on est bon, mais voilà, on a un joueur avec la fidélité et un autre joueur avec la fidélité. Forcément ça passe pas. Joueur d'un même championnat 3, c'est pour ça qu'il faut dégager Capou et vous mettez soit Mendy, soit Mvila, soit un autre, mais là j'en vois pas d'autre. Donc voilà les amis, et là on est tout bon. Par contre, je le répète, écoutez la vidéo et ne faites pas juste regarder la vidéo. Il faut un joueur avec le bonus de fidélité et deux changements de poste parce que lui, il faut qu'il soit en AD. Moi ça passe parce que j'ai deux joueurs avec le bonus de fidélité. J'ai Basseli et Nolito. Sinon, je serais obligé de faire le changement de poste. Voilà les amis, j'espère que j'ai été clair. On va soumettre l'équipe et on va aller ouvrir le pack. Je sais qu'en commentaire, vous allez tous me dire, mais ça fonctionne pas. Et je vais vous répondre en commentaire. Écoute la vidéo, frère. Voilà. C'est comme d'hab. Comme pour les SBC Hybrid League, pourquoi ça fonctionne pas et toi ça fonctionne. C'est juste le bonus de fidélité. Allez, c'est parti les amis, pack joueur Electromra. Franchement, il m'a rendu dingue. 2 heures dessus, j'ai cru que j'allais vriller. Tout ça pour de la merde en plus. C'est génial. C'est génial. Kedira. Voilà, à la place de Demirbe, vous pouvez mettre aussi Kedira. Ça fonctionne. En plus, c'est du non vendable, donc on s'en fout. Voilà les amis, donc voilà, il y a pas mal de... Vous pouvez changer plein de trucs. Il faut juste penser au bonus fidélité. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Les amis, le live demain 21h pour les TOTS de Ligue 1 sans pack. Et ben voilà, on espère choper du très lourd. Et voilà. Voilà les amis, à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao et merci.